Les chanteurs Zaz et Vianney n'ont pas vraiment fait tâche lors de la belle cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 de rugby, avec Jean Dujardin en leader, vendredi soir. Avant France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le choix des deux artistes, de la part du comité d'organisation, avait largement été moqué sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont un casque. Les rugbyman, c'est pas pour se protéger la tête, c'est pour se protéger les oreilles. Si vous voyez des joueurs de rugby avec un casque ce soir, c'est pas pour se protéger des chocs mais pour se protéger des musiques de Zaz et Vianney. Zaz, si elle ne fait pas partie des chanteuses de variété les plus populaires du moment dans l'Hexagone, est fan de rugby. Elle peut surtout se targuer d'avoir chanté un morceau rendant hommage au rugby amateur. En 2008, 2 ans avant son premier album et son grand succès Je veux, celle qui a grandi à Bordeaux a collaboré avec le groupe de rap 4P sur le titre Rugby Amateur. Ce n'est pas devenu un tube à l'époque. Mais le clip, tourné avec une équipe de rugby sur un terrain et dans un vestiaire, a fait sensation lorsque la chanteuse a accédé à la notoriété, Zaz entonnant le refrain sous la douche. Le site Le Rugbyministère avait fait l'éloge de la chanson. Rugby valeur de partage et d'amitié, rugby, chef d'œuvre de Maule Porté, à rugby, pas de plaquage où tu subis. Rugby, viens boire dans mon cubi, chantait Zaz pour ce groupe qui avait rendu hommage à l'Aveyron l'année d'avant. Voilà pourquoi l'organisation de la Coupe du Monde de rugby a pensé à la chanteuse de 43 ans.